Le vélo étant une passion chez SAS, entre autres pour le bureau de Montréal. Les équipes féminines, c'est un petit peu plus difficile parce qu'elles sont moins visibles. Et pour SAS, il y a un investissement financier parce que les équipes ont besoin du matériel, mais aussi des dollars pour pouvoir s'inscrire dans les voyager, payer les frais de transport, d'hôtel et tout ça. La compagnie SAS, qui est notre compagnie principale, qui nous supporte depuis 2 ans, ils ont fait vraiment le grand saut pour nous aider à développer encore de plus en plus nos athlètes. Donc, ce qu'on essaie de faire avec l'équipe, premièrement, c'est d'aller collecter des données et de dire, OK, peut-être qu'on peut aller jusqu'à optimiser la performance des athlètes. On se doit d'être impliqué dans la société. Entre autres avec les sportifs qui, eux, leur rêve, c'est d'atteindre un niveau olympique.